cette expérience de la mission Proxima, réalisée par Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale, sont développées par le CNES. Parmi elles, ECHO, un échographe téléopérable. Cet instrument permet à un médecin échographe de réaliser un examen sur l'astronaute depuis la Terre sans que ce dernier n'ait véritablement à intervenir. Parmi les expériences menées à bord de l'ISS, certaines étudient le système cardiovasculaire. Elles visent notamment à observer l'évolution de la taille des artères ou de leur épaisseur et à mesurer le débit sanguin. On utilise pour cela un appareil échographe nouvelle génération, ECHO. Jusqu'à présent, le cosmonaute, lui, faisait lui-même l'échographiste, donc il était sujet et échographiste. Et donc, pour obtenir des images de qualité, il devait acquérir un petit peu l'expérience qu'avait l'échographiste expert et donc s'entraîner de façon optimale et de façon conséquente pour avoir la même qualité d'image. Avec ECHO, l'astronaute se contente de poser la sonde de l'échographe sur l'endroit de son corps que lui indique le médecin échographe, situé lui sur Terre à plus de 400 km de la station. C'est ce dernier qui pilote la sonde pour réaliser l'examen. Un gain de temps donc pour l'astronaute et un gain de précision pour le médecin, d'autant qu'ECHO offre de nouvelles performances techniques. Ça veut dire que le spécialiste va pouvoir sélectionner à distance les bons paramètres pour obtenir des images de qualité. Donc par exemple, on peut également faire des scans 3D, c'est-à-dire balayer avec les types de sondes qu'on va utiliser tout l'organe que l'on veut investiguer. Et ensuite, on peut reconstruire en 3D cet organe et utiliser la meilleure image possible pour venir faire les mesures qui intéressent les scientifiques. Obtenir à distance des images d'une telle qualité n'est pas utile seulement dans le domaine du spatial. Il y a aussi sur Terre des endroits difficilement accessibles. Dans le cadre de la mise au point de cet échographe téléopéré, donc on a eu des expériences qui ont été menées entre le CHU de Tours et différents sites. Donc on peut citer un site dans le sud de l'Espagne, également un site en Guyane. Et donc la Guyane est également intéressée pour accueillir deux modèles sol téléopérés pour pouvoir faire des échographies à distance dans des régions un petit peu éloignées de services médicaux. Endroits géographiquement isolés ou peu dotés en spécialistes, situation d'urgence qui ne peut attendre le déplacement du médecin, les applications terrestres ne manqueront pas pour le nouvel ECHO.